Aujourd'hui, je vais vous présenter mon panneau de contrôle qui permet de contrôler mon interrupteur clap, juste ici, et peut contrôler d'autres accessoires. En plus, il y a la date et la température qui est écrit, donc ça fait une super belle interface à l'entrée de votre pièce. Donc, c'est mon panneau de contrôle. Ici, il y a un interrupteur. Si je l'actionne, ça actionne mon interrupteur clap juste ici. Donc, si je donne une tape, je donne une autre tape, allume ou éteint. Donc, je le referme. Ici, il n'y a pas encore d'accessoires branchés dessus, mais éventuellement, je vais brancher d'autres circuits. Ça, c'est le micro pour mon interrupteur clap. Donc, ici, j'ai un LCD avec la date, l'heure puis la température de la pièce. Les composants qui servent de contrôler le LCD qui sont derrière le mur. Ici, on a deux petits interrupteurs pour contrôler la date et l'heure. J'ai défissé mon panneau de contrôle pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, lorsque je l'enlève, vous voyez, le trou il est de la bonne grosseur, mais pas trop grand pour que la plaque cache le trou. Ensuite, ici, c'est mon circuit pour le LCD qui contient le programme pour la température et l'heure. Donc, le programme il est dans un PIC 16F876A et on utilise un DS1307 pour avoir l'heure. Ce qui est, c'est un composant qui c'est une horloge dans le fond. Ici, ça c'est un D1631, un DS1631 qui contrôle la température. Donc, ce composant-là, il lit la température et l'envoie au programme pour contrôler, pour indiquer sur le LCD la température. Et ici, j'utilise un régulateur de voltage 5 volts pour pouvoir contrôler tout le circuit. Vous voyez, j'ai ici mes interrupteurs et le reste du circuit. Donc, on voit que ça se replace super bien à l'endroit, puis il me reste qu'à le visser. Donc, votre interface, vous pouvez la personnaliser comme vous voulez. Vous pouvez mettre un gradateur qui va servir à varier l'intensité de vos lumières. J'ai le schéma sur mon site. Et pour le schéma et les codes de programmation pour ce projet-là, mon panneau de contrôle, vous avez juste à aller sur pbelectronique.com. Le lien est dans la description. Et plein d'autres projets sont sur le site.